Mesdames et messieurs, c'est un plaisir de vous retrouver sur le plateau de Mandico Télévision, Mandico Télévision, votre chaîne qui est une pensée, un écrit. Pourquoi une pensée, un écrit? Parce qu'en fait, nous avons beaucoup de choses à vous proposer, mais il faudrait que ces choses restent dans les mémoires des gens. Et aujourd'hui, face à face, c'est pas avec n'importe qui. Face à face avec une personnalité, quelqu'un qui a des valeurs, qui a une vision, qui a quelque chose à imprimer, à donner au peuple congolais. Je vous apprends que nous avons ce jour M. Guylain Nyembo. Guylain Nyembo, qui est-il? Eh bien, ce n'est pas n'importe qui, c'est le directeur de cabinet du chef de l'État. Campagne électorale. Bonjour M. Guylain Nyembo. Bonjour monsieur. Alors, la campagne électorale lancée aujourd'hui au Stade des Martyrs, votre impression sur l'adhésion du peuple congolais à votre candidat numéro 20? Ben, si vous étiez là, je suppose que vous avez vu l'engouement et je pense que la campagne est très bien partie. Et je crois que le candidat a été à la hauteur des attentes de tous ceux qui étaient là aujourd'hui pour l'écouter, pour lancer cette belle campagne, parce que nous voulons démontrer au peuple congolais que le candidat numéro 20 et encore président de la République a des réalisations que personne n'a peut-être pu regarder, des vraies faces. Mais aujourd'hui, nous avons l'opportunité de pouvoir partager avec tout le monde que nous allons croiser dans les rues de toute la République pour expliquer ce que notre candidat, le numéro 20, a réalisé pour eux et qui compte encore poursuivre pour leur bien, leur bonheur. Mais alors, la différence avec votre candidat numéro 20, Félix Antoine Tshisekedi, Fatih Béton, comme on l'appelle. Tout à fait. Comme il vient de passer un mandat. Ça se voit. On sent vraiment que c'est vraiment lui qui est là. Mais alors, vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes son directeur de cabinet. Vous êtes son éminence grise. Ou vous êtes, comme qui dirait, celui qui oriente tout, le contremaître. C'est que mon travail est de porter le chef de l'État dans sa vision et de s'assurer que tout ce qu'il qu'il imprime, soit réalisé avec la collaboration du gouvernement et de tous les collègues ensemble. Mais alors, aujourd'hui, la campagne est lancée. Félix Tshisekedi a réalisé tellement de choses. Est-ce qu'on peut avoir une petite idée? Par exemple, on peut aborder gratuité de l'enseignement, gratuité de la maternité, en desserte en eau potable, on a vu Imbu, on a vu Bisaozone, l'électricité un peu partout, la guerre, la sécurité. Et puis, il y a même des gens, jusqu'à ce jour, qui continuent à douter qu'il y aura des élections à la date prévue. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à tout ça? Un message aux Congolais et à tous ceux qui doutent. Mais d'abord, les gens n'ont pas eu le temps de réaliser tout ce que le président de la République a fait pour la population. Mais je peux comprendre, tout simplement parce que vous avez compris qu'au départ de son mandat, il y a eu cet embouteillage politique et qu'il fallait trouver le chemin de pouvoir aller plus vite et être cohérent dans tout ce qui devait être fait. Le chemin a été trouvé, nous avons perdu 2 ans, mais vous avez vu qu'en 2 ans, 2 ans et demi aujourd'hui, nous avons pu rattraper beaucoup de choses et ça laisse augurer des bonnes choses, en tout cas pour l'avenir. Aujourd'hui, les réalisations sont là, elles sont citées. Vous avez suivi son adresse à la nation, pour l'état de la nation. Vous avez entendu plusieurs choses dans ce que vous avez cité, la gratuité. Hier, il était appelé fou. Heureusement qu'il a accepté d'être appelé fou. Et aujourd'hui, tout le monde lui donne raison. La même chose pour la couverture de santé universelle. Nous avons pris le premier pas avec la gratuité des accouchements. Aujourd'hui, une réalité à Kinshasa, mais ça commence déjà dans les provinces et ça va se poursuivre pour que, à terme, nous puissions avoir cette gratuité pour la santé de tous et pour tout ce qui est maladie que nous pouvons affronter dans notre vie. Et ça, c'est une innovation très grande et donc nous lui devons ça. Maintenant, pour ce qui est de la guerre, vous savez que notre pays a beaucoup de richesses et tout le monde nous envie. Et
ça veut dire que nous sommes chaque fois en danger et les voisins, les plus proches, nous regardent tous les jours. Il y en a de plus regardants et bien évidemment qui... Comme le Rwanda. Pas comme, le Rwanda. Le Rwanda. Voilà. Précisément. Alors, le président, comme vous le savez, avec tout son cœur, a permis à ce pays, à ce régime de pouvoir se rapprocher de lui et lui permettre d'avoir de ressources pour sa population. Ce n'est pas ça qui pose des problèmes d'avoir permis et de se retracter. Si je peux avoir une expression peut-être qui va gêner, mais il a promis, il a scellé des alliances avec les ennemis, les amis d'hier qui sont devenus les ennemis d'aujourd'hui. Ce n'est pas un contre-performant par rapport à son mandat. Au moins aujourd'hui, tout le monde nous donne raison et personne ne peut plus lui dire de retourner en arrière. Ouais. Donc il a essayé, il a fait tout ce qu'il pouvait au début de son mandat. Il a parcouru tous les 9 pays voisins pour proposer des projets, pour partager la richesse avec des voisins de manière correcte et de manière légale. Et malheureusement, il y en a un qui n'a pas compris cela, malgré que les choses étaient déjà en marche, mais qui a fait marche arrière et qui nous amène bien évidemment dans cette distraction, moi je l'appelle comme ça. Parce qu'encore une fois, nous avons un beau pays et nous devons avoir le temps de le développer. Alors, beaucoup de promesses. Ça c'est, je vais essayer d'aller avec vous de manière terre à terre. La population dit, Félix Tshisekedi, c'est l'homme de... mille et une promesses. Mais combien il a pu réaliser? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut s'assurer d'avoir la sécurité, d'avoir la paix, d'avoir le bonheur social, d'avoir tout ce qu'il avait promis? Pourquoi? Qu'est-ce qui cloche dans tout ça, à votre avis? Ce qui peut paraître comme la contradiction ne l'est pas vraiment. Il faut comprendre que nous sommes dans un pays qui a reculé d'une manière grave. Et donc là, nous sommes dans une renaissance. Et donc c'est tout à fait normal, il y a tellement d'attentes. Et les réalisations, vous savez, construire un immeuble, ben, il faut commencer par une fondation. Et il y a les temps qui passent. Et rappelez-vous quand le président avait postulé en 2018, vous rappelez que même son programme, il avait déjà projeté à 10 ans. Donc il est cohérent dans ce qu'il avait promis au peuple congolais. Et les réalisations sont là, on peut tout dire, mais hier peut-être, parce qu'il y avait encore les fruits qui devaient encore sortir. Mais aujourd'hui, c'est incontestable. Dans les prochains jours, vous imaginez Kakobo là qui va sortir ses effets dans le Bandundu. Il n'y a jamais eu d'électricité dans les Kikwit, mais ça sera une grande fête, et ailleurs aussi. Donc il y a toute une série de choses qui sont réalisées aujourd'hui, que ce soit en dessert en eau, en électricité, des capacités qui ont augmenté de manière spectaculaire. Et je pense que celui qui peut dire ça encore aujourd'hui, tout le monde peut l'afficher menteur. C'est un honneur pour nous de vous recevoir sur ce plateau de Mandico TV. Mais les gens se posent toujours des questions. Guylaine Yembo, qui est-il? Qu'est-ce qu'il veut? Pourquoi est-ce qu'il n'est pas trop visible? Il est discret, il ne parle pas. Mais pourquoi est-ce qu'il y a même des gens qui ont misé sur votre départ? Pourquoi? Vous êtes là, à votre avis, personnellement, avec le président de la République, dont vous êtes à nouveau, parce que les gens ont comme l'impression que vous avez été parachuté. Vous êtes qui? Je suis tout simplement Guylaine Yembo, et je pense que il faut rester dans le cadre qui est tracé pour une fonction. Un directeur des cabinets n'est pas censé... Aujourd'hui, je me le permets parce que c'est la campagne. Nous sommes tous là pour soutenir le chef de l'État. Mais ma mission première, c'est de, comme je l'ai dit au départ, de porter le président de la République. Je suis derrière lui, donc je suis caché derrière lui parce que c'est lui qui est mis en lumière. Donc c'est tout à fait normal que les gens ne me connaissent pas. C'est tout à fait normal que les gens parlent. Ben, quand on ne parle pas de vous, je pense qu'il y a un problème. Oui, mais alors, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, je voulais en fait savoir, c'est avant que vous soyez là où vous êtes, vous étiez qui? Mais j'ai travaillé dans le monde privé, dans les multinationales, ça c'était mon champ de vie, d'action, et j'ai travaillé aussi dans le parti, tout le monde peut, enfin, ceux qui sont avertis le savent. Que j'ai travaillé dans l'UDAPES déjà très tôt. Mais on sent qu'en vous, qu'il y a une éthique
il y a une ligne que vous instaurez. Si vous êtes, excusez-moi, vous êtes dans la chronologie des directeurs de cabinet, vous êtes un peu anachronique, vous êtes différent. Pourquoi? Comment est-ce que vous expliquez ça? Pour que les Congolais comprennent en fait que le chef de l'État, on a toujours tendance à dire non, le chef d'État travaille avec ses amis. C'est un club d'amis de la diaspora. Mais Guylain Nyembo, un message aux Congolais, comprendre, les mentalités doivent changer ou bien qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, il faut comprendre qu'il y a 63 ans hein, depuis l'indépendance. Aujourd'hui, comme j'ai dit, le président de la République a une très belle vision. Et pour l'accompagner, il faut des méthodes, il faut une certaine manière de faire. Ce que nous faisons, en tout cas, c'est des choses que nous avons fait dans le monde privé aussi, que nous amenons, que nous pensons que ça sert dans le monde public aujourd'hui. La bonne gouvernance, je crois que c'est quelque chose qu'on ne doit pas attendre que la Banque mondiale et le Fonds monétaire viennent nous enseigner. C'est des choses que nous tous avons appris à l'école. Donc, il suffit tout simplement de mettre ça à l'œuvre et tout simplement. Et à partir de là, c'est les fruits que vous annoncez là. Donc, je pense que ça ne devrait pas être quelque chose d'exceptionnel. C'est quelque chose qui est à la portée de tout le monde. Et tout Congolais devait se sentir dans cet état d'esprit de savoir que la bonne gouvernance, c'est la règle. Et c'est pour ça d'ailleurs que je vois, personnellement, je milite pour ça parce que nous faisons tellement beaucoup de choses. Nous avons encore beaucoup de choses à faire. Mais il faut les orienter, il faut les encadrer, il faut des règles, il faut une certaine manière de faire. Mais ça demande bien évidemment qu'on change la façon de faire, la façon de concevoir les choses pour permettre à cette belle vision du président de la République de se réaliser. C'est tout simplement ça. Voilà, justement, vous avez parlé de la bonne gouvernance, ça me vient à l'esprit. AABG. AABG, vous êtes le parrain de ce regroupement politique. Action audible pour la bonne gouvernance. On sent déjà par, ne fût-ce que les initiales de ce regroupement, qu'il y a beaucoup de choses que vous désirez. Pourquoi AABG et comment AABG? Mais, AABG a action audible pour la bonne gouvernance. Un instrument pour accompagner les chefs de l'État. Comme je l'ai dit, je pense que c'est des créneaux qu'il nous faut aujourd'hui. Et je pense que lui-même, c'est son œuvre, on va dire ça. Ça lui appartient parce que pour nous, c'est tout simplement mettre en place un instrument qui va l'accompagner dans ce que nous estimons être essentiel pour sa marche vers la reconstruction de notre pays, tout simplement. Alors, AABG va accompagner le chef de l'État au travers vous. Je préfère dire au travers vous, dans la vision que vous voyez avec lui depuis que vous avez commencé. Je ne peux pas me permettre de le dire, mais je vais le dire. Vous avez beaucoup de valeurs que beaucoup de gens ne connaissent pas. Ils veulent vous cataloguer, mais ce n'est pas ça la vérité. Mais aujourd'hui, Félix a un deuxième mandat devoir conquérir. Qu'est-ce que vous conseillerez aux Congolais par rapport à ce deuxième mandat, puisque vous venez du stade des martyrs? Vous avez vu le monde. C'était un afflux populiste ou bien c'était... Vous avez voulu quelque chose de spontané? Non, je crois qu'il y avait de la méthode. Il y avait de la méthode. Quand vous regardez, l'événement est très bien, très très bien organisé. Et donc, chacun a pu conscientiser la base. C'est vraiment les bases de ceux qui portent la candidature du numéro 20. Donc, je crois que c'est quelque chose pour nous que nous avons bien préparé avec tous les membres et nous avons voulu à ce que chacun puisse profiter de cette occasion pour déjà démontrer pour lui-même ce qu'il vaut. Parce que demain, à partir de demain, tout le monde se lance dans la rue. Mais la moindre des choses, c'était tout simplement de pouvoir ramener tous ceux que vous appelez vos bases, pouvoir... honorer le lancement des campagnes du candidat numéro 20. Bon alors, je crois que c'est la campagne. Rien n'est évident par rapport à la suite. On ne peut pas savoir. Il n'y a que Dieu qui le sait. Alors, vous voyez comment les sentiers, ils sont devant vous. Vous les voyez comment? Parce qu'en fait, il y a une vérité. On n'a jamais vécu une course pareille. Nous avons Moïse Katumbi, nous avons
Moïse Katumbi, le tout-puissant gouverneur du Katanga. Nous avons Dedi Mukwege, le prix Nobel. Nous avons Sesanga, un homme d'une valeur intellectuelle incontestable. Nous avons Fayulu, le fameux président élu. Comment vous voyez ça? Mais vous avez oublié que nous voyons le visionnaire. C'est-à-dire quoi, le visionnaire? Le numéro 20. Qui est là et qui est décomplexé, vous l'avez vu. Et donc, moi, je suis très confiant. Mais en même temps, je voudrais dire à tous ceux qui croient en ce président-là de pouvoir l'accompagner vraiment jusque dans les urnes. Donc, il faut que les gens aillent confirmer. Vous avez un mot d'ordre? Mais bien sûr. Que les gens aillent voter massivement. Il ne faut pas rester à la maison. Il ne faut pas dire il va passer, il a bien travaillé, vous savez comme moi. Mais il faut aller avec sa fiche, aller rentrer dans la machine. C'est ce que nous attendons. Mais rentrer dans la machine, ça suffit? Ou bien faut-il quelque chose de particulier que vous pensez qu'il faudrait dire aux Congolais dans votre mot d'ordre? Nous avons le directeur de cabinet, Guylain Nyembo. Qu'est-ce qu'il dit aujourd'hui aux Congolais par rapport à ça? Voilà. S'il vous plaît. Ben, je veux revenir déjà à ce que... Oui, mais en français, et puis il y a une autre langue. Parce que je veux vous ramasser sur le Tanganyika. Commencez d'abord en français. Je disais, comme le candidat numéro 20 l'a déjà dit lui-même, nous avons le choix, un choix très important à faire pour notre pays. Je l'ai aussi dit dans mes propos ici, que nous n'avons pas à commettre encore cette erreur-là, de retourner en arrière. Nous devons faire le choix de la consolidation de ce qui a été fait. Parce qu'encore une fois, le chemin, il est beau, la vision, elle est magnifique. Je crois qu'il ne faut pas louper cette chance-là. Les autres candidats, c'est très bien, c'est la démocratie. Katumbi. Honnêtement, je n'ai pas... Rien à dire sur eux? Des personnes qui sont valables, mais il y a un visionnaire, je crois, qui a déjà pris de l'avance sur eux. Et chacun son temps, je pense que ça viendra peut-être pour eux. Demain, ce n'est pas exclu. Mais aujourd'hui, c'est l'ère du numéro 20. Indéniable, c'est le 20 qui va avancer. C'est le 20 et moi, je recommande à tout le monde de voter le 20. Sinon, je ne serai pas là devant vos écrans. Le 20 va passer. Admettons qu'il passe. Mais qu'en est-il de la situation de l'Est, l'insécurité? Parce qu'en fait, il y a le M23 qui a décidé d'annexer complètement une partie du territoire. Et de doter ces Congolais de la nationalité du pays qui les soutient. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais je dis tout de suite, pour les gens déjà, de faire très attention avec certains candidats qui rêvent un peu. C'est tout à fait normal quand on n'a jamais géré un pays comme la RDC, de croire qu'un bâton magique, on peut tout arrêter. Oui. Je pense que c'est se tromper. Il faut faire confiance à celui qui a une méthode. Je voulais expliquer, on a visité les voisins, on leur a proposé un deal parce qu'on a besoin de faire la paix. Parce que nous sommes conscients que nous avons besoin de cette paix pour développer notre pays. Pour nous, mais pour aussi la région. Donc, cette méthode-là a montré qu'à la fin de tout ça, il y avait un hypocrite. Quelqu'un qui pouvait dire qu'il est avec vous, c'est il est le voisin. Est hypocrite. Bien entendu, je parle de Kigali, je parle de Paul Kagame, mais aujourd'hui, il a été mis à nu. Et nous avons compris que c'était plus profond que ce qu'on voyait. Voilà pourquoi ça prend le temps que ça prend pour déraciner, parce que nous ne voulons plus jamais vivre ça. Donc il faut prendre le temps, il faut, comme je vous ai dit, c'est une opportunité, c'est des morts que nous regrettons, et c'est une opportunité pour nous de ne plus croire que voilà, tous les voisins sont là tranquilles, ils dorment. Mais nous comprenons qu'il y en a qui, tous les jours, tous les soirs, toutes les nuits, ils rêvent notre pays. Donc, et nous devons, une fois pour toutes, les dissuader d'oser encore revenir. Vous êtes quand même conscient que le président, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait une grande vision, il a une grande vision. Mais durant les 5 mandats, combien de pourcentage vous lui accordez par rapport à ce qu'il a promis et ce qui a été réalisé? Parce qu'on a l'impression que nous ne sommes pas sortis de l'auberge. Je n'ai pas la même impression. Je vous ai expliqué, les contextes sont là. Je vous ai expliqué les débuts politiques assez houleux, 2 ans perdus, mais
à partir de 2021, vous avez vu que les choses sont allées beaucoup plus vite. Donc, ça montre que le futur est meilleur. Donc, il faut lui faire confiance dans ce qu'il a fait, dans toutes les réalisations qui ont été annoncées jusqu'aujourd'hui. Eh bien, demain, ça veut dire que nous allons consolider, nous allons polir, je vais dire ça, tout ce qui a été fait. Comme j'ai dit, les écoles, il faut, pour les bancs, il faut encore mettre peut-être de vernis, il faut terminer les petites finitions, on va polir avec lui pour que finalement, ce qu'il a commencé puisse l'achever de la belle manière. Alors, maintenant, nous allons essayer d'aborder une question qui est beaucoup plus particulière à vous. On vous a vu s'incliner, mettre les genoux à terre, Kalimpinyo Tanganyika. Ça voulait dire quoi? Les gens ont dit, non mais, il rend hommage aux ancêtres ou à Dieu Tout-Puissant? C'était quoi ce geste? Bon, spontané. Bon, il y a eu d'abord le geste vers le ciel. Parce que je l'ai fait à deux endroits différents, Kalemi et puis à Komolo. Kalemi, j'arrive avec après une pluie, une très grande pluie, et j'arrive pour la première fois à Kalemi. Je crois que le geste qui me vient tout de suite à ce moment-là, c'est de regarder les ciels et de rendre gloire à Dieu. Je suis profondément croyant, chrétien. Et donc, je n'hésite pas sur ce que je ressens de mes valeurs. Donc, voilà, je ne suis pas gêné pour ça. Et à Kongolo, un geste supplémentaire, parce que c'est vraiment là, la terre de mes ancêtres, une salutation, ça valait la peine. Mais pourquoi est-ce que vous n'êtes pas très attaché à ces terres? On a l'impression que vous n'y êtes allé que pour des besoins électoraux. C'est ce que les gens disent. Je leur ai dit dans mon discours, pour ceux qui l'ont suivi jusqu'au bout, c'est juste un début. J'ai un travail qui me prend tout le temps. Il y a tout un pays pour soutenir le chef de l'État. Je crois qu'on n'a pas toujours le temps de se promener comme on le voudrait. Mais comme je l'ai dit, c'était un coin, pas seulement pour la campagne. C'était un début parce qu'il ne faut pas oublier que les gens m'ont vu. Mais il y a des choses qui sont déjà faites à ce niveau-là, qui n'ont pas été annoncées dans les écrans. Donc, c'est juste pour moi le moment qui était opportun à ce moment-là d'y aller, parce que je devais déjà aller bien avant. Mais bon, encore une fois, question d'agenda, mais c'était le moment opportun. Et encore une fois, le temps appartient à Dieu. Donc, c'était ce moment-là qu'il fallait être là, à ce moment-là. Mais la suite, comme je vous l'ai dit, c'est une destination magnifique, non seulement parce que je suis de là-bas, mais Tanganyika, c'est pour moi un Eldorado, je l'ai dit, pour la République. Parce que c'est un coin qui regorge de beaucoup de choses et qui demande une certaine façon de développer cette province. Et moi, ça me tient à cœur. Alors, je vais vous poser une question peut-être qui va vous mettre mal à l'aise. Mais je crois que c'est important. Vous êtes directeur de cabinet du chef de l'État. Il est Mounouba. Vous êtes espace Mounouba Katangi. Mani Makoulou. Ça vous fait quoi? Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça? Eh bien, la colère. Comment ça, la colère? C'est tout? La colère, parce que je trouve que ce pays, avec tout ce que nous avons déjà, c'est juste de trop de pouvoir réveiller des blessures. Cette histoire, ça date de très longtemps. Je crois que pour des gens civilisés, pour des gens qui veulent aller de l'avant, c'est... Ce qui est colère, c'est différent d'être fâché. Fâché, c'est l'expression de la colère. Donc, je suis en désaccord total pour cette situation que je condamne et que je demande, bien évidemment, aux gens de ne pas se laisser prendre au piège. Le tribalisme, c'est une chose qu'on doit éradiquer dans notre pays. C'est une stupidité, tout simplement, parce que quand vous regardez les différents mélanges que nous avons dans notre pays, vous pouvez regarder dans votre propre famille, vous pouvez compter le nombre de personnes qui sont mariés avec d'autres tribus, c'est une stupidité de parler du tribalisme aujourd'hui. La seule raison du tribalisme aujourd'hui, c'est la pauvreté, la souffrance. Et c'est ça que nous devons résoudre. C'est ça, la cause. Nous devons attaquer parce que chacun veut se replier vers son frère, vers sa sœur, vers tout ce que vous voulez, parce qu'il veut posséder quelque chose qui appartient à son frère. Et nous devons régler les problèmes à la racine. Mais nous voulons dire à la population de ne jamais suivre, et je l'ai dit, au Tanganyika. Tous ceux qui amènent la guerre, qui amènent des troubles,
la mésentente dans la communauté, il faut les bouter dehors. Ils n'ont pas leur place. C'est des gens qu'il faut comparer comme ceux de l'Est qui nous viennent avec la guerre, les Kigali, les Kagame, c'est pareil. Nous n'en voulons pas dans notre pays parce que nous voulons des développements. Nous avons suffisamment souffert, nous avons suffisamment de morts pour en rajouter. Donc il faut à un certain moment que nous puissions passer à autre chose et permettre à notre pays d'aller de l'avant. Parce que nous avons toutes les capacités d'aller et d'aller plus vite. Et c'est ça que moi je souhaite pour ce mandat qui va s'ouvrir, c'est que nous puissions accélérer ce que nous avons déjà commencé. Et c'est pour ça d'ailleurs j'insiste beaucoup sur la bonne gouvernance, pour que au moins cette fois-ci, au niveau des accords politiques, qu'il soit déterminé tous les critères de gestion du pays, pour qu'on soit clair dès le début et permettre au pays de pouvoir aller plus vite, parce que les gens en ont besoin, parce que, comme vous l'avez dit, il y a d'autres personnes qui ont l'impression que les choses ne se font pas, alors que ce n'est pas vrai. Alors, maintenant, nous terminons cette émission. Nous commençons la campagne aujourd'hui. Il y a tellement de choses à faire. En principe, j'ai vu le programme, vous commencez par le Bas-Congo. Pourquoi le Bas-Congo? Comment ça va? Le Congo central, pourquoi? Bon, je crois que ça fait partie du cheminement tel que les données nous les présentent. Donc, il n'y a pas d'hasard. Comme je l'ai dit, c'est une campagne travaillée, fouinée. Et tout ce qui est fait, bien calculé. Donc, c'est l'endroit. Nous avons commencé à Kinshasa. Et bien évidemment, c'est les lieux. Et demain, nous allons enchaîner au Bas-Congo. C'est tout un programme qui est lié dans ce que nous avons prévu. Je ne veux pas ici révéler toutes les raisons, mais... Et pourquoi vous n'avez pas révélé toutes les raisons? Les Congolais n'attendent que ça de vous. Parce que vous êtes, comme on dit, la voix autorisée. Non, je donne l'essentiel. C'est l'élément qui correspond à la suite de Kinshasa. Okay. Donc, voilà. Donc, c'est l'étape... c'est l'étape très, très importante, très proche de Kinshasa. Et après ça, nous allons pouvoir prendre... Mais nous revenons dans l'espace, bien évidemment. Voilà. C'était un plaisir de vous avoir sur ce plateau de Mandico Télévision, une chaîne créée sur l'initiative d'une Congolaise, d'une dame congolaise. Qu'est-ce que vous dites? Vous avez visité Mandico. Qu'est-ce que vous avez à dire? Mandico, une pensée, un écrit. Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus? Une pensée, un écrit, ça montre déjà que c'est quelque chose de réfléchi. Et réfléchi, mais en plus de ça, je vois qu'en termes d'équipement, du professionnalisme, donc voilà, c'est à encourager. Je suis parmi les personnes qui pensent que les Congolais, ce qui est dit d'ailleurs souvent le chef de l'État, les Congolais sont capables de merveilles. Donc il faut tout simplement leur donner le moyen de pouvoir mettre à l'ouvrage tout ce qu'ils ont, l'inventivité, l'ingéniosité qu'ils ont. Donc c'est vraiment quelque chose à féliciter. Et donc voilà, très bien. Et demain, nous voulons qu'il y en ait plus qui puissent faire la même chose. Dans d'autres domaines aussi. L'entrepreneuriat, c'est aussi ça. Parce que nous voulons que les filles et les fils de ce pays puissent développer ce pays par eux-mêmes. Nous voulons que nous puissions posséder complètement notre développement, que nous puissions maîtriser le schéma que nous voulons pour notre pays. Et voilà pourquoi c'est très important, vous l'avez vu, on n'a pas eu le temps de parler de ça, bien évidemment. Le paquet de l'entrepreneuriat est complet, avec le mandat qui vient de se terminer, qui s'achève. Et nous sommes prêts, bien évidemment, à accélérer tout cela. Et donc, vous aurez plusieurs Mandico demain. Pour ceux qui ont déjà commencé avant, nous allons encore mieux les accompagner. Ceux qui commencent aujourd'hui, nous allons les encourager parce que le chemin, il est faisable. Et le pays, aussi grand qu'il est RDC, sans l'entrepreneuriat, nous irons vraiment encore des petits... Et on a l'impression que c'est vous, en fait, qui est à la manœuvre par rapport aux jeunes. On a comme l'impression que c'est vous, l'université, le président avec les jeunes. Vous êtes toujours là. On sent ça. Comment? La jeunesse, c'est notre première richesse, dit encore le président de la République. Et donc, quand vous, sur le plan stratégique, c'est aussi simple que ça. Votre force, c'est là où vous allez mettre le plus de moyens. Et bien voilà, les moyens sont mis
en commençant par la gratuité, parce qu'il faut récupérer tous ces jeunes-là, n'est pas parce qu'à la fin, on n'en veut plus. On a des coulounas et ainsi de suite. Il faut commencer par récupérer tous ces jeunes-là très tôt et les mettre dans un couloir qui les amène vers des réalisations de leurs rêves. Je crois que c'est ça le plus important. Et donc, l'université, voilà. L'école, c'est les lieux par excellence. On vous remercie, mais on va clôturer sur un seul mot que vous aurez à donner à la AABG et à la DGEN. Vous êtes être responsable. Je crois qu'ils ont besoin d'avoir le mot d'ordre. Et tous les Congolais, Guylain Nyembo a un mot d'ordre à tous les Congolais qui croient en ce que le chef de l'État, Fatih Béton, a réalisé au cours de ses premières 5 années, ce premier mandat, il faut l'avouer, rempli de contraintes. Un message. Et on a fini. Mais AABG, je l'ai dit, ils le savent, AABG, tous derrière le chef de l'État, tous derrière le candidat numéro 20. DGN n'en parle pas parce que DGN fait partie de AABG. Un mouvement des jeunes, un mouvement des convaincus de la République, je les appelle les soldats de la République, ceux qui veulent accompagner le chef de l'État sans condition, avec leur cœur, avec tout leur savoir. Eh bien, nous commençons la marche. Eh bien, il faut l'évangélisation, comme on dit dans le monde chrétien. Mais ici, c'est un message à partager de la bonne gouvernance pour, comme je disais, accélérer le travail du chef de l'État pour que les solutions nous arrivent plus rapidement et de manière, je vais dire, de la belle manière. Voilà. Voilà. Bon, c'était un plaisir de vous recevoir, monsieur le directeur de cabinet. Beaucoup d'honneur de vous avoir dans Mandicoté Vision, sur le plateau, dans le cadre de Face à Face. Nous espérons que nous aurons l'occasion de vous recevoir avant la fin de la campagne, si vous aurez le temps. C'est moi qui vous remercie. Je reste à votre disposition. Merci beaucoup. Je vous en prie.